Allez, Ariel. Bravo! Bravo! Avant de vous lire le prochain extrait de livre que j'ai ramené, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le nouvel album. Et je sais pas pourquoi ça tombe sur moi. Je sais pas, moi j'ai toujours des problèmes avec l'industrie du disque. Depuis le début, quoi. Depuis le putain de début de ma carrière, j'ai putain de problèmes avec l'industrie du disque. Je suis obligé d'en parler avant de partir sur le truc que je veux vous mettre, parce que là, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, l'album était prévu pour la fin de l'année. Mais ce qui se passe, c'est que je vais vous la faire vraiment courte et rapide, parce que c'est très très long et très très complexe. En tout cas, je suis interdit de sortir sur tous les réseaux de distribution de Universal et de Warner pendant 10 ans. C'est vrai, ce que je vous raconte est vrai. C'est vrai. Maintenant, vous, vous êtes déplacés au concert, donc vous faites partie des gens qui savent comment trouver un disque. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe, l'industrie du disque, et pour les artistes, c'est pas comme ça qu'on peut vraiment manger. Donc on se retrouve aujourd'hui à être en procès contre Universal, contre Warner. Ça représente plus de 60% du marché. Toi, je t'en bats les couilles, mais pas nous. Parce que nous, on a des enfants, on a des femmes, on a des cousins, on a des cousines, on a des oncles, on a des tantes, et il faut faire entrer de la maille, parce que comme vous, on a tous besoin de maille, malheureusement. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'échange. J'aimerais bien qu'on troque. Hop, je vous donne un 10, vous me donnez un poulet. Je vous donne un 10, vous me donnez un kilo de riz. Ça peut marcher, ça, tu vois? Mais c'est pas sûr que ça marche quand je vais aller faire mes courses dans les supermarchés, tu vois ce que je veux dire? Yeah, mais c'est pour ça que vous, je vous félicite tous. Mais aujourd'hui, on dit quoi? On est 400? Si je vends 400 disques, je suis mort. C'est la réalité. Donc voilà, donc ça veut dire que, en tout cas, pour la faire courte, malheureusement, l'album n'arrive pas tout de suite. Parce que c'est comme ça, on doit lutter, il faut qu'on sorte dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, on se bat pour ça. On va continuer à faire du son. J'espère qu'on va se sortir de cette grosse merde dans laquelle on est. Parce que c'est pas que moi, c'est aussi toute la famille assassin. Mais en tout cas, voilà, patientez. On va essayer de sortir les disques, mais pour l'instant, on est vraiment dans une sacrée merde à cause des multinationales avec qui, à un moment, on a pris des réseaux de distribution. Mis à part ça, et c'est pour ça que c'est grâce à ce que je vais vous raconter là que je garde le sourire malgré tout ça et qu'on continue à être positif dans la façon dont on parle à nos frères et nos sœurs. Je vous ai amené un conte Cherokee, le monde indien. Et ça dit ça. C'est un vieil indien Cherokee qui initiait son petit comme son petit-fils à propos de la vie. Donc c'est son grand-père qui parle à son petit-fils. Une lutte est en cours à l'intérieur de moi, dit-il à son petit-fils. C'est une lutte terrible entre deux loups. L'un est plein d'envie, de colère, d'avarice, de jalousie, d'arrogance, de ressentiment, de possessivité, de mensonge, de supériorité, de fausse fierté. L'autre est bon, il est paisible, heureux, serein, humble, généreux, vrai et rempli de compassion. Cette lutte a aussi lieu en toi, mon enfant, et en chaque personne dans ce bas monde. Le petit-fils réfléchit un instant et interrogea son grand-père. « Lequel de ces deux loups va gagner ?» dit-il à son grand-père. Le vieil indien répondit simplement « Celui que tu nourris, mon fils. » Puisse